Oui, j'ai pas la brochure devant moi. Il y a le maillot meilleur jeune. Il y a maillot de combativité. Il y a le maillot grimpeur. Il y a aussi maillot à points rouges, le maillot jaune et le maillot par équipe. Il doit avoir entre 7 à 8 maillots. Je crois 7 maillots. Oui. Et chaque maillot est accompagné d'un classement. Ah ouais, oui. Ouais. Il y en a deux, c'est ça? Il y en a deux. Il y en a deux. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Alors, il y a quelque chose de très important. Si nous voulons avoir un jeune de chez nous, étant que pour un cycliste professionnel, il faut qu'il rentre dans une structure dès être U17. U17 veut dire une catégorie que vous connaissez qui est cadet. Et rappelez-vous que Thomas Vauclair et Hervé Ocade, quand ils sont partis en métropole pour rentrer dans des pôles, faire des études et en même temps le vélo, ils sont partis à leur dernière année des cadets ou première année junior. C'était là la limite. Thomas a eu la chance d'être dans une structure qui lui a permis très vite de passer professionnel. Et il n'a pas été appelé sur les drapeaux. Hervé Orcan était dans la même dynamique. Il a failli passer professionnel. Sinon qu'il a été appelé sur les drapeaux, et une fois qu'il a été appelé sur les drapeaux, quand il est sorti du service militaire, il n'avait pas le même niveau. Donc il a travaillé comme coureur cycliste dans des structures amateurs, et aujourd'hui il a des capacités de très bon cadre technique, puisque il manage non seulement les amateurs qu'on appelle la Vendée U, mais il peut aussi diriger des équipes professionnelles. Une question, s'il te plaît. Une question que je voulais poser à président, c'était juste pour lui dire que quand il parle de cadet de junior, je suis d'accord, je connais, mais la tranche d'âge, c'est quoi? Ben, c'est les 16 ans. Là, ils sont à 16, 17. Aujourd'hui, les cadets juniors, c'est fini. On a fait une réforme au niveau des tranches d'âge et qui donne pour un U17, c'est la catégorie des cadets. Et puis, il y a les U19 qui sont de très bons juniors de deuxième année. Par exemple, cette année, un garçon comme Rizal qui a beaucoup bien fonctionné cette année peut participer au cyclisme de Martinique. Ça veut dire qu'il a déjà de bonnes dispositions. Il peut être en quelque part de voir ses résultats être surclassé comme d'autres. Hein. Nous avons d'autres très bons juniors par exemple sur le club de Saint-Esprit et leur permettre de participer au tour cycliste. Mais qu'il y ait des cadres techniques pour bien surveiller s'il y a une contre-performance, au lieu d'aller à l'usure, il vaut mieux de l'enlever de la compétition pour qu'il puisse mieux faire l'année prochaine. Oui, merci. Non, il ne s'agit pas. Absolument. Il faut les protéger. Protéger, voilà.
Madame Barbier. Voilà la croix de l'eau qui arrive, messieurs. Dylan, non, oui, Dylan. Madame Malère, vous avez vu tout ça. Salut, ça aussi. Oui. Ça doit être la même.